vraiment difficile à faire la lampe. Consommatique, payé presque 150 à 200 bien livre piment et nous consommons beaucoup de piment. Nous. Alors en fait, il y en a trois raisons principales qui fait habituellement cher. Premièrement, piment, c'est une plantation, comme on dit, où vous avez travaillé l'île ou un an au planté, après 3 mois au récolté, et là, il y a le récolte là, il continue pendant 6 ou 7 mois. Alors, pas une plantation qui ne sert en novembre, décembre et janvier, nous ne perdons beaucoup, beaucoup de plantation, nous ne perdons quand il y en a un mauvais temps pour la pluie, alors je ne sais. Il y a une maladie qui s'appelle bacterial wilt. Puis une puise, ça va être un sec et ça va être un carreau, la panne replantée. Alors, aujourd'hui, nous avons moins de plantations comparées avec ce qui était dans l'année précédente. Deuxième, en l'été, nous avons un gros problème qui s'appelle anthracnose. C'est un champignon qui proliférait quand il y a salaire et puis humidité. Alors, qu'il fait une tasse noire d'un petit piment ou bien un piment qui est au pied. Après, dans 5-6 jours, il y a du piment là, bien coupé, bien cassé. Et très souvent, on va planter un cassis et puis dans le carreau, ce champignon-là reprend pour le nouveau piment. Et là, actuellement, nous avons un gros problème avec un insecte qui s'appelle un puceron, qui a fait le léquier sur le pied là. Et il se trouve qu'il y en a dans ce branche, dans ce léquier. Il empêche la feuille développer, il empêche et il empêche d'un fruit là-dedans. Il est extrêmement difficile, comment dire, pour débarrasser cette maladie-là. Il prolifère un petit bébé de ça qui, comment dire, voyage, transporté par la brise, ou bien, ben, des gens qui rentrent dans le carreau depuis d'un carreau infesté à un autre carreau. Et là, c'est qu'il nous dit, ben, camarade planté, bien, empêche qu'il va un carreau, il a humidité trop beaucoup à soi. Aujourd'hui, le gros problème, c'est qu'il nous paye une insecticide qui va combattre ça. Longtemps, c'est là, mais malheureusement, Maurice, il signe beaucoup, ben, convention, et ça va insecticide là, une banne. Nous avons un camarade qui a servi une banne organique, ce qu'on appelle de l'huile nîme naturelle, et ça a amené un petit soulagement. Mais sinon, nous pouvons continuer à payer le piment assez cher pendant, je pense, les prochaines 2 à 3 mois. Le problème, c'est que les vignes de côté de Mexine, là, tout le monde qui a été allé jour en jour, il peut bien dire. Là, pomme d'amour, tu supposais vendre de 300, 400 roupies cash. Là, c'est une saison comme ça, là. Mais là, aujourd'hui, vous pouvez attendre, pomme d'amour, vous faites 1500 roupies. À l'époque, comme ça, il n'est pas supposé faire 1500 roupies. Et quand t'as son piment aussi, il est pareil. Il y a un médicament qui coûte pas 3500. Il coûte bizarre, mettez pas de drôme. C'est pas pour mettre ça un médicament là, ou pas pour capable faire face. Je pense que le gouvernement pour viser comment s'exploite les légumes. Et moi, je plante pas un des enfants carreaux, vous faire piment. Vous faire face contre ça, ou vous essayez un médicament, aller un petit bout de travail.